Alors Eurosatory, comme vous le savez, est un salon qui fait à la fois de la défense et de la sécurité. L'évolution de la menace sécuritaire dans le monde est énorme, avec l'apparition de phénomènes de terroristes, que je ne rappellerai pas, qui s'ajoutent, je dirais, à la délinquance classique. Et donc on voit un fort développement sur les salons de moyens pour faire face à ces menaces-là. Ce sont des systèmes de maintien de l'ordre. Je dirais de maintien démocratique de l'ordre, ce sont de la lutte anti-drone, puisque les drones sont maintenant utilisés malheureusement par des gens à des fins peu avouables. Ce sont des moyens de renseignement, ce sont des moyens de lutte contre la cybercriminalité, ce sont des nouveaux véhicules qui permettent de faire un contrôle démocratique des foules, des nouveaux équipements pour les unités de maintien de l'ordre. Voilà, le domaine de la sécurité est vaste. Et je dirais que le domaine de la sécurité des États vient s'ajouter au fort développement de la sécurité privée, puisque si les États assurent la sécurité sur le domaine public, il appartient aux organisateurs des événements d'assurer la sécurité sur le domaine privé. Voilà, donc un très fort développement de la sécurité, des technologies liées à la sécurité sur Eurosatory.